Tatamayo, Tatamayo, Matera Buntobu. You Matero to his Obamae. Bama Sara Kebe Pum Pum. Bama Satero Dongi Chancharan Chong. Bamba la Boitu. Iawan. Oui, à la croco. Croco que poaga mandingwem. Naomi. C'est quoi? Tu pleures? Ça n'arrive pas à effacer ma tristesse ni ma douleur. Je me sens vide. Partage avec moi ta douleur. Ma mère, elle a décidé que je quitte la maison. Depuis que je suis consciente, elle n'a jamais levé la main sur moi. Et aujourd'hui, elle l'a fait. Que s'est-il passé? Hier, après ton départ, elle a refusé de m'ouvrir la porte. J'ai dormi là. Théo. Non, t'es pas sérieux là? Bien sûr que si. Et le matin, elle a jeté mes effets dehors en me demandant de partir de chez elle. Je n'ai pas pu supporter. Je lui ai dit des paroles blessantes. Elle m'a giflé. Vous êtes allé trop loin. Vous avez touché le fond. Je ne sais pas ce qui arrive à ma mère. Je veux bien la détester, mais je n'y arrive pas. Je comprends. Je suis arrivée au salon. Je l'ai trouvé fermé. Et tout de suite, je me suis doutée que tu allais bien. Qu'est-ce que tu as? On t'a agressé. J'aurais préféré l'agression, la bastonnade et l'humiliation que je viens de subir. C'est un peu fracassant dans la ville. Qui t'a bastonné? Et pourquoi? Jemia. Qui t'a humilié? Une question après une autre. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Comment j'ai pu être aussi stupide au point d'oublier ma famille pour une histoire d'entrejambes?
Que diront mes enfants? Que diront mes enfants quand ils sauront que c'est à cause de mon infidélité que leur maman a quitté la maison? Mon Dieu, excuse mon acte. Pardonne mes péchés. Les deux se sont mélangés sur moi, ils se sont mis à me bastonner comme du n'importe quoi. Et comme cela ne suffisait pas, ils m'ont traîné hors de l'hôtel comme une affamée. C'est bizarre ce qui t'arrive avec un homme marié. Je vous croyais Brenda et toi contre ce genre d'histoire. Tchelia. Quoi? Tu oublies que c'est elle qui nous invite tous les jours à rejoindre son groupe de filles qui sont que les hommes mariés? Célia, dis-moi un peu, pourquoi tu éprouves tant de plaisir à sortir le mari des gens? Hein? Elle reste bouche bée. Installe-toi confortablement et bienvenue dans notre club de tristesse. Bonjour Patrick. Qu'est-ce que tu fais là? La dernière fois, on n'a pas terminé notre conversation. C'est vrai, mais là encore, tu tombes très mal. Je suis occupée à l'intérieur. On pourra au moins se voir ce soir autour d'un pot pour en discuter, si tu as le temps. Pourquoi pas? Si ça pourra m'aider à changer les idées. Quelle heure tirer? Bon, disons 16 ou 17 heures. Entre 16 heures et 17 heures. Ok, ça marche. Elle est parfaitement belle. D'être lancé dans la politique. Waouh! Mon ami, dis-moi, c'est la meilleure décision que tu aies prise depuis qu'on se connaît. Tu as choisi de militer dans quel parti? Je te proposerai. Naomi! Quoi? On a rendez-vous tout à l'heure à 16h. Tu vois, je ne pourrais pas être au boulot car je dois m'apprêter pour ne rien manquer. Hein? Oui. Tu as fini par avoir un rendez-vous avec elle. Ah oui. Dis-moi, vous vous verrez où? Voilà une question que je ne me suis pas posée. C'est pas grave. Il faut l'appeler, soit pour lui proposer un endroit où vous serez seul, soit pour lui demander un endroit où vous vous sentirez bien. Je n'ai même pas son numéro. Et tu fais ça comment? Mince. Voilà les erreurs qu'un homme politique ne ferait jamais. Oh,
maman, maman, la rêve qu'elle t'aime. Maïa, ouais. Kaleba, maman, maman, la rêve qu'elle t'aime.